Bon, allez, la suite. Bon, on va un peu parler du dopage maintenant. Hein. Dopage au Tour de France. Non. T'as pas mis ton maillot jaune? Non, c'est un maillot qui est pour imprimer. Hein, non, c'est le dopage dans les jardins de France. Bon, le Belgique aussi. Hein, bon. Donc, j'ai plutôt parlé des purins végétaux. Bon, sûrement que tout le monde a déjà essayé ce truc. Donc, les purins végétaux, c'est quoi? Ben, c'est un peu une façon naturelle de nourrir les plantes. Mais je dirais que c'est plutôt une nourriture complémentaire par rapport aux engrais ou aux composts ou les matières organiques qu'on met déjà. Donc, c'est plutôt pour donner un petit coup de pouce aux plantes. Alors, ça se passe comment? Je vais d'abord parler de la façon de faire. Et après, on dirait comment on peut faire. Le principe, donc, c'est récolter des plantes engrais, faire tremper quelques jours ou quelques semaines dans de l'eau, dans de l'eau de pluie de préférence. Et après cet espace de temps, on récolte le jus. Et avant d'asperger, on le dilue, on allonge le résultat obtenu, toujours avec de l'eau. Et ce jus, ça sert d'engrais. Donc c'est un stimulant à la pousse de beaucoup de plantes. Alors qu'est-ce qui se passe pendant cette période de trempage? Donc ça, le trempage se fait à température ambiante, donc 20 degrés. Donc on ne fait pas ça en hiver, parce qu'en hiver, les températures ne sont pas élevées. De plus, on n'a souvent pas de plantes non plus à stimuler la pousse. Donc ça se passe à la belle saison. Et pendant ce trempage, il se forme une fermentation au sein du mélange. Donc en fait, les matières organiques des plantes que l'on y met se décomposent. Et se décomposent en éléments simples. Par exemple, pour citer les deux gros engrais, c'est azote et potasse, en fonction des plantes qu'on y met. Et ces matières-là, comme elles sont décomposées en éléments simples, elles sont plus faciles à être absorbé par les racines des plantes. Bon, il y a quand même quelques précautions. On va dire, ouais, mais c'est quoi ça, cette histoire? On parle toujours qu'en agriculture biologique, on essaie de mettre des engrais lents, pour justement ne pas avoir, parce que des engrais chimiques, c'est plutôt l'inverse. C'est des engrais solubles qui sont directement absorbés par les plantes. Et voilà qu'ici, on raconte l'inverse. Ben, c'est comme j'ai dit, c'est plutôt un complément à apporter aux plantes. Ce n'est pas l'engrais principal qu'on donnera à la plante. Donc on utilise ça avec précaution et dans des cas bien précis. Parce qu'on sait aussi que des plantes qui sont gavées en azote seront beaucoup plus sensibles aux maladies et aussi aux parasites. Donc des plantes gorgées d'azote seront plus attirées, enfin ils vont attirer plutôt les pucerons qui aiment bien ce genre de plantes gorgées d'eau et d'azote. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Donc on utilisera ça plutôt pour des plantes qui ont besoin de beaucoup de nourriture. Des plantes gourmandes et en période de croissance. Donc, je ne vais pas dire pendant toute leur période de croissance, mais plutôt au début, ou pendant leur développement, et une fois qu'ils se mettent soit à fruits ou voilà, là on ne le fait plus, on laisse tel quel. Donc, c'est quoi ces plantes qui ont besoin de pas mal de choses? C'est par exemple les choux, tomates. Courge, courgette,
et poireaux. Et on fait ça, bon, pour ne pas exagérer, 2 à 3 fois par an. Bon, on donne cet engrais. Donc c'est un peu comme un engrais coup de fouet. Donc ça, c'est un peu une autre utilisation. Coup de fouet, c'est plutôt pour des plantes qui sont un peu à la traîne, qui ne poussent pas trop bien, qui sont un peu chétives. Bon, on leur donne un petit coup de boost, là, et voilà. Une fois qu'ils ont redémarré, ben après, ils ont démarré, ils ont développé leurs racines, ils font leurs échanges avec des champignons et des, voilà, tout ce qu'il y a dans le sol pour aller pomper leur nourriture. Mais parfois, bon, voilà, ils ont un petit moment de faiblesse, bon, ça peut aider à ce moment-là. Alors, le message à retenir pour les purins végétaux, c'est aussi la dilution. Donc la dilution doit être importante, parce que si c'est trop concentré, donc déjà ça va être beaucoup trop riche, et ça risque même de brûler certaines racines de plantes. Donc la dilution, c'est combien? Pour donner un ordre d'idée, c'est de 1 à 10. Donc une portion de purin, de jus, pour 10 litres. Donc là, vous n'allez pas avoir de problème. Et même de 1 à 20, donc c'était 10% ou bien 5%, surtout lorsqu'on va pulvériser la dilution sur les feuilles, parce que ça aussi on peut le faire. En général, on le met au pied des plantes, mais on peut aussi, bon, les purins, c'est pas uniquement de l'engrais, ça peut aussi servir d'insecticide et de stimulant via le feuillage. Les fongicides aussi. Voilà. Certaines plantes, comme la prêle, peuvent aussi apporter c'est un moyen de lutte contre les maladies à champignons, donc fongicides. Alors, la méthode. Donc, on récolte les plantes engrais. Je vais revenir sur ce qu'on peut utiliser après. On peut couper en petits morceaux. Ça sera mieux. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, ça permet que ça se fermente plus vite, voilà, qu'il y a plus de surface en contact avec l'eau. On peut disposer librement, comme ça, dans les récipients qu'on va faire la fermentation. Mais parfois, c'est plus facile aussi de l'enfermer dans un sac. Donc un sac de jute ou un sac à un filet, genre filet à pomme de terre ou à oignon, là, qu'on fait. Donc on aura déjà les plus gros morceaux qui vont rester dans ce filet, surtout si on l'utilise après en pulvérisation, ben, tous ces petits éléments peuvent venir boucher les buses de pulvérisation des pulvérisateurs. Alors, placer ça dans un récipient, bon, pas n'importe lequel, un récipient de grand volume. Donc, bon, souvent on pense à des fûts, et ça c'est le meilleur, c'est le fût en plastique. Pas en métal, pourquoi? Parce que il peut s'oxyder. Il ne faut pas oublier que cette fermentation, c'est un peu comme un acide, et ça peut attaquer le métal, même si c'est galvanisé, ça peut attaquer, galvaniser les récipients. Donc, exclure les fûts métalliques parce qu'ils seront très vite attaqués, et en plus on va apporter peut-être des éléments indésirables dans le purin qu'on va donner aux plantes. Donc ça peut être en bois, en plastique, ou bien aussi en maçonnerie. Comme ici Gilbert avait commencé avec ça, tout à fait dans le fond du jardin, près de sa serre là, de semis, il avait maçonné une fosse. Je crois qu'au début, c'était probablement pour récolter les pluies, les eaux pluviales de sa serre, pour récolter de l'eau, pour arroser. Mais très vite, il a compris qu'en mettant des plantes là-dedans, ben, ça faisait un peu une fosse, pas une fosse à purin, mais bon, c'était un purin végétal. Alors, quand on fait ça,
Donc, quand on a des mares ou des endroits ouverts, il faut quand même penser qu'il y a des mammifères qui peuvent s'y noyer. Donc, hérissons, grenouilles, s'en sortir plus ou moins, mais les hérissons et d'autres petits mammifères, ils peuvent se noyer. Donc, soit vous couvrez, vous mettez un grillage à fine maille pour être sûr qu'il n'y a pas d'animaux qui savent tomber dedans, ou bien mettez au moins une planche dedans qui peuvent regrimper, donc une planche inclinée, qui peuvent au moins se sauver de la noyade. Alors, on laisse macérer le temps voulu. Bon, c'est quoi le temps voulu ? Ça dépend un peu de la fonction qu'on veut utiliser. Donc, si c'est la fonction insecticide, ça sera de 1 à 2 jours, 3 jours parfois. Donc, c'est pas beaucoup. Et ça, c'est assez précis. Il y a des signes qu'on voit, qu'on dit « Ah, voilà, c'est prêt, on va pouvoir l'utiliser ». Ou bien, quand c'est la fonction engrais stimulant, c'est minimum de 1 à 2 semaines, même plus. Alors, les signes qu'on voit lorsque ça fermente, c'est quand il y a de la mousse qui vient, ou de l'écume, en surface. Et ça fait des bulles. Bien sûr, tout ça, ça dépend aussi de la température ambiante. Donc, j'ai dit qu'en hiver, on ne faisait pas de purin, il n'y a pas d'utilité. Par contre, en été, au plus qu'il fait chaud, au plus vite que ça va aller. Alors, deuxième indice, après les bulles, entre les bulles, il y a aussi l'odeur désagréable, en fonction de ce qu'on met. Bon, souvent, on pense au purin d'ortie, je vous assure que... On sent bien lorsqu'on fait du purin d'ortie. Comme du purin de nous dans le temps. Ah ouais, je connaissais quelqu'un, Ignace connaît aussi, un ancien qui venait ici. Il avait toujours un pur grand tonneau comme ça. Il n'était pas trop en bon terme avec sa voisine qui l'embêtait aussi. Et une fois, je visitais le jardin avec lui et il faisait... Et un petit peu après, lorsqu'on faisait le tour du jardin, « Oh, c'est pas vrai, il y a encore un !» Il y avait touillé dehors. Bon, voilà. Donc ça émet vraiment une odeur désagréable. Bon, on peut aussi diminuer ça en y ajoutant de la poudre de roche ou des algues marines, donc quelques poignées. En même temps, ça va diminuer les odeurs, mais en même temps, ça va lier. Donc, les éléments qui s'échappent dans l'atmosphère, ils seront un peu liés par chimiquement par la poudre qu'on y met. Donc, on a finalement un peu moins de pertes aussi en faisant ça. Donc, on peut ajouter un peu d'algues marines ou des poudres de roche. Alors, en mélangeant régulièrement, comme notre copain jardinier, de temps en temps, ça aide aussi parce que ça aide à brasser, on mélange un peu le tout, donc la fermentation se fait plus rapidement. Donc on peut compter que, après 2 semaines, à température de 20 degrés, on peut dire que le purin est à peu près prêt, il n'y aura plus de bulles, et la couleur, ça devient vert foncé noir, pratiquement. Donc ça, c'est un signe qu'il est prêt comme engrais. Un bon trapiste. Ouais, bon. Je vais te donner à boire à trop. Et après, on peut le conserver, on referme un peu le tonneau. Il y en a même qui le mettent dans des bidons. Containers, dans des bidons, fermés. Et on peut garder ça pendant toute la saison. Bon, c'est pas la peine d'en faire pour des années, puisque chaque année, on en refait. Mais bon, pendant la période, si on se dit, tiens, si on veut en refaire, on peut sortir celui-là et en refaire. Donc, ça permet de... Mais on peut très bien rajouter chaque fois des plantes au fur et à mesure. Évidemment, il faudra chaque fois attendre les 2 semaines. Mais bon, en fonction de ce qu'on veut. Si c'est... Pour pulvériser, comme fongicide, ça sera parfois que 1 ou 2 jours.
Et on les plante, on peut, après les 15 jours, on les laisse dedans ou il faut les retirer? On peut les laisser dedans. On peut les laisser dedans et voilà. Ben, non, mais... Voilà, ouais. Ouais, tout se défait beaucoup, mais les grosses fibres seront quand même là. Alors, si par exemple vous arrosez avec l'arrosoir avec la pomme, bah, ça va se boucher. Donc, il faut vraiment arroser au boulot. Ou bien alors, il faut tamiser, donc faire passer par un sticker. Là, voilà. Pas le chinois pour les pâtes. Hein, ouais, voilà. Donc, mais bien serré. Là. Et surtout si vous l'utilisez en pulvérisation. Donc n'oubliez pas, il faut diluer après. Donc, alors là, il faut vraiment tamiser, parce que sinon vous êtes. Bouché. Ah ouais, c'est bouché. Alors, c'est la croix et la bannière pour déboucher après. Ah, ouais, ou alors on est un mauvais jardinier comme moi et on l'achète en bidon déjà préparé. Ouais, mais ça a été interdit, hein. Le purin d'ortie, on en trouve encore. Non, non, mais il a été interdit pendant un moment. Pourquoi? Ah, ouais, ouais. Et on sait très bien pourquoi, hein, parce que les marchands d'engrais et les ceux qui vendent des pesticides et tout ça, ils ont fait des mains et des pieds pour empêcher ces manières de faire séculaires, en fait. Hein. Mais il y a eu un tollé général, les jardiniers amateurs, ils ont dit, ouais, mais non, on va pas nous interdire ça. En fait, ils nous interdisaient de le vendre et d'en faire la publicité, même. Après, ils sont revenus en arrière, parce que ça a duré des années, des dizaines d'années, et c'est pas encore fini, hein, cette histoire. Et maintenant, on les a classés, ben, par exemple, l'ortie, on l'a classé dans les PMPP. C'est quoi? Préparation naturelle peu préoccupante. Ça veut dire que, parce qu'en fait, lorsqu'on veut mettre une formule ou une molécule en vente ou accessible à la culture, ça doit être homologué, donc dans le catalogue officiel européen. Et ça, ça coûte très cher. Donc, qui va aller faire les démarches coûteuses pour mettre un purin qui est disponible pour presque tout le monde, sauf les gens en appartement. Eux n'ont pas besoin peut-être beaucoup de purin d'ortie non plus. C'est vraiment pratique. Mais voilà. Mais si on arrive, donc maintenant on arrive à nouveau à le trouver. Pourquoi? Parce qu'il a été classé dans des trucs, parce qu'ils ont vu que les gens allaient pas être d'accord avec ça. Ça coûte plus cher qu'une bouteille de vin, hein. En anglais. Ah oui, peut-être. Ouais. En anglais, foliaire, c'est fort efficace. C'est vrai que bon, c'est pas compliqué à faire, mais ça demande un peu de temps. Bon, il faut quand même une quinzaine de jours. Pour avoir ça sent mauvais. Le gâteau, ça demande du temps aussi. Puis il faut des voisins consignants aussi, hein, qui acceptent qu'on touille de temps en temps dans le purin, hein, comme on dit. Sinon, pour activer le compost, c'est intéressant aussi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, bon, on va parler des différentes plantes qu'on peut utiliser, mais l'ortie, la consoude, par exemple, là-bas, c'est quand même des plantes qui activent aussi le compost. Donc, il y a plein d'éléments là-dedans qui favorisent l'activité biologique au niveau du sol et des composts. Alors, j'avais dit, essayer d'utiliser en arrosage au pied des plantes. Donc, diluer toujours. Bon, certains, pour enrichir encore, vont peut-être encore y ajouter une poignée de fientes de poules ou de pigeons. Bon, là, ça c'est. On enrichit encore un peu plus son purin. Bon, mais on sait qu'il ne faut pas exagérer non plus. Ça peut être intéressant quand même pour les plantes qui sont en bac ou en container, par exemple. Moi, je pense. Moi, je mets souvent des tomates dans des grands containers, là, d'une quinzaine de litres. Ben voilà, ça permet de. Donc, c'est quand même un volume de terre pas trop grand. Et bon, on met l'engrais au départ, mais après, bon, parfois, on voit que lorsque la plante elle pousse, ben, pas des cales jaunies, mais elle manque un peu d'azote. Vous rajoutez un peu de purin, ben, tout de suite. Quelques semaines après, vous voyez, ça vient beaucoup plus vert foncé. Hein. Oui, ça marche. Donc pour ça, c'est utile. Donc, aussi pour ceux qui font dans des cultures en bac, là, parfois ça peut aider à ajouter un peu d'engrais dans tout ça.
Il y a un truc qui est pas mal non plus. C'est un truc de vieux, ça. Les, dans un arrosoir de 10 litres, un petit cube de levure de boulanger. Ah bon ? Laisser 24 heures macérer et arroser au pied des légumes. Ah. Ça donne des bons résultats. Mettez pas ça dans votre sceptique, parce que ça va bouillonner. Il va y avoir des légumes au niveau de la toilette, là. Au niveau des tomates. Ah, ça va faire monter. Ouais. Ah oui. Alors, bon, à la belle saison, ben, je dirais, on fait ça une fois tous les 15 jours, pendant deux, trois fois, quatre fois, en fonction des besoins. Alors, bon, c'est quand même un produit qui... Bon, déjà, l'eau claire, quand il y a du soleil, quand on arrose sur les feuilles, ben, ça fait déjà des brûlures. Alors, quand c'est un produit avec des matières un petit peu agressives, ben là, c'est mieux par temps couvert. Hein. Vous prenez vos précautions pour qu'il n'y ait pas d'éclaboussures sur les feuilles. Ou bien le soir. Le soir, quand il n'y a plus de... Ouais, comme ça, ben, ouais. Donc ça permet que la plante sèche avant qu'il y ait les rayons du soleil. Donc, voilà. Alors, par exemple, une plante qui a soif, qui a très soif, n'allez pas mettre directement ce purin dilué même. Arrosez d'abord à l'eau claire. Parce que sinon les racines risquent d'absorber trop vite ce purin. Et risque d'être brûlée. Donc il faut qu'elle soit déjà bien hydratée. Et après, vous ajoutez le purin, vous versez après le purin. Donc ça, c'est par précaution. Sinon, vous risquez peut-être de perdre votre plante. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme plante ? Voilà. Je pense que tout le monde a un peu compris. Bon, les plantes principales, c'est l'ortie, qui est la plus riche en azote. Et ensuite, la consoude de Russie, en plus, qui, elle, est plus riche en potasse. Donc, dans un premier temps, pour faire pousser la plante, on peut utiliser l'ortie. Et une fois qu'elle a grandi, après, parce que c'est la fructification, eh ben, c'est peut-être mieux de passer au purin de consoude. On peut mélanger les deux aussi. Hein. Alors Gilbert, lui, il a encore trouvé une autre façon encore plus originale. Dans son bac là-bas, ben, il mettait toutes les plantes adventices qu'il trouvait dans le jardin. Renoncule aussi. Ben, chaque plante, en fait, apporte aussi ses éléments, donc ses oligo-éléments. Dans chaque plante, il contient des choses. Bon, déjà, on vous bassine déjà les oreilles avec ça, de mettre de plus en plus de matière organique sur le sol, parce que, comme Ignace nous l'a déjà rappelé souvent, ce qui pousse au jardin, c'est parfois ce qui manque au sol. Donc en le recyclant sur le jardin, ben forcément, on apporte les éléments qui manquaient au sol. Forcément, en faisant le purin, ben, on fait la même chose. Mais c'est un peu en accéléré. Donc moi, je dirais qu'il ne faut pas... plus que faire du purin, et non, le purin c'est en complément, et continuer à faire le compostage en surface avec plein de choses. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut encore utiliser? C'est le sureau. Purin de sureau, bon, il paraît que c'est encore assez efficace contre les mulots, donc, et alors aussi pour les nématodes des carottes. Donc, ça aide aussi. Alors, pas oublier les épluchures d'oignons et d'ail. Donc, ça apporte aussi des éléments intéressants. Les renoncules, on l'a dit. C'est un peu fongicide de tout ce qui est ail et oignons. Alors, en gros, c'est 100 à 200 grammes de plantes pour 10 litres d'eau. Donc, il y a les fougères aigle. Je pense que c'est vraiment les fougères qui poussent dans les bois, ça. Oui, c'est peut-être pas... Bon, peut-être qu'on... Ceux du jardin aussi, peut-être, c'est pas les mêmes. Ben, parfois, ouais. Toutes les fougères peuvent servir, mais c'est la fougère qui est le plus recommandée. Ouais, donc c'est une qui pousse sur une tige et il y a des feuilles qui viennent sur la tige.
Tandis que les grandes fougères qu'on voit d'habitude, c'est, ça, ça part du sol, les feuilles. Tandis que aigle, ben, c'est comme un aigle qui vole au-dessus, quoi. Hein. Donc c'est une tige avec des feuilles qui... D'accord. Et les fougères qui poussent dans le jardin, ils appellent ça les fougères mâles. Mâles ? Oui, mais en fait, c'est un nom qui a été donné comme ça. Et il n'y a pas de mâle ou de femelle. C'est... Donc quand on veut chercher, on ne doit pas forcément chercher à trouver la variété qui est mâle. C'est... On peut tous les mettre. Une autre plante qui est intéressante aussi, c'est la tamésie. Insecticide. La fougère doit être un peu insecticide aussi parce qu'on la broie pour mettre dans les nids des poules pour éviter qu'il y ait des poux qui s'installent dans les nids. Alors une plante qu'on ne penserait pas non plus, c'est le pissenlit. Aussi, c'est... Les manches, là. Et ça, c'est plus comme anglais, c'est pour... Les manches, c'est ça que je voulais mettre pour... Stimuler... des ovolés, des lardons, des petites pommes de terre, en fait, c'est bon. Alors, donc utilisation en frais, donc c'est après 2 à 3 jours de fermentation, donc comme insecticide ou comme repoussoir, c'est-à-dire que l'odeur ou le... qui émet, ça repousse les insectes, ou bien ça tue l'insecte. Bon, voilà, tout ça, c'est possible. Donc, il y a certaines plantes à forte odeur, qu'on ne doit même pas utiliser en purin, mais qu'on peut aussi mettre comme ça entre d'autres plantes. Je pense spécialement à la rue, l'absinthe, et les gourmandes tomates, par exemple, qu'on met entre les choux. La forte odeur peut aussi éloigner la pierrie du chou. Le basilic aussi, ça sent fort. Ouais. Alors, les décoctions, ça c'est encore autre chose. Donc, les purins, c'est laisser macérer dans l'eau, ça pendant un certain temps. Les décoctions sont plutôt adaptées aux plantes qui contiennent des choses, mais qu'on a difficile à extraire par macération. Donc, il faut cuire... bouillir pendant un certain temps pour extraire les propriétés intéressantes. Entre autres, la prêle. Donc ça, c'est riche en silice. Et c'est assez coriace. Et pour extraire les pouvoirs actifs. Donc, on peut même utiliser la prêle séchée. Donc, ça pousse à une certaine période de l'année. Donc, on peut aussi récolter, faire sécher et utiliser ça. Donc là, c'est à peu près 150 grammes de prêle dans 10 litres d'eau. Donc en principe, on met d'abord à macérer pendant 24 heures la plante que l'on veut faire bouillir. Et ensuite, on fait bouillir pendant 20 minutes. Si possible, les trucs métalliques, c'est toujours un peu dangereux, mais bon... C'est difficile à faire bouillir dans autre chose. Dans le plastique, c'est beaucoup plus facile. Oui, pour émailler. Ou, c'est pendant 20 minutes après. Inox. Oui, mais bon, c'est beau truc en inox, c'est quand même dommage de. Ouais. C'est malheureux, la corde de machin. Ouais. Pour mâcher au puce, on trouve parfois une vieille casserole. C'est pas des trucs qui restent pendant des mois. Peut-être encore un moindre mal à ce moment-là. Donc là, on fait bouillir pendant 20 minutes et ensuite on laisse macérer pendant 2 jours. Donc là, on peut le sortir de la casserole et mettre dans un autre fût, laisser refroidir et macérer. Et là, aussi diluer la décoction de 1 pour 10 et même plus, 1 pour 20. Pour plus d'efficacité, c'est 1 pour 10. Contre les maladies cryptogamiques pour les légumes. De toute façon, pour un simple jardinier, il ne faut pas préparer 10 litres. Si vous avez 1 litre avec un dixième de... décoction. Oui. Ça ne sert à rien d'en avoir... Les purins, ça c'est intéressant d'avoir en plus grande quantité. Tandis que décoction, ce sont des plantes bien spécifiques quand on va utiliser la prêle ou peut-être la tamésie. Et la prêle, c'est efficace. Le pouvoir fongique n'est pas vraiment extrait. Non, parce que,
ce qui est un pouvoir fongique, il faut pouvoir pulvériser, il faut quand même pouvoir extraire les éléments actifs. Donc pour la prêle, j'ai entendu, c'est assez coriace, c'est... donc pour l'extraire, il faut faire ça. Ben voilà, quand même une parenthèse pour dire, bon, il faut quand même continuer le compostage en surface, donc amener toutes les adventices aussi, pas que dans la fosse arboripyrin, mais aussi autour des plantes, ça va déjà aider beaucoup aussi, parce qu'on apporte quand même des éléments, on fait travailler des micro-organismes du sol. Bon, on n'arrête pas de vous le répéter, mais je crois que c'est vers ça qu'il faut aller, parce qu'on parle souvent d'engrais et tout ça, ben, l'engrais sert... alimenter les plantes, mais toutes les matières organiques que vous ramenez la vie dans le sol, et la vie du sol va aussi faire pousser vos plantes. Et ça, je crois que c'est aussi un message qu'il faut écouter et retenir. Ben voilà. On apprend toujours le mieux en faisant des bêtises. Donc moi, je sais que les céleris raves ont besoin de beaucoup de nourriture. Beaucoup d'eau aussi. Et beaucoup d'eau, donc j'ai arrosé peut-être 3 fois sur la saison avec un purin comme ça. C'était un mélange tout venant de tout ce que Michel a dit. Et je l'ai fait trop longtemps et tous mes céleris raves ont pourri. Donc faites-le au début et ne faites le surtout plus à partir de maintenant. C'est déjà trop tard. Trop d'eau, ça rend le bulbe aqueux aussi et plus vite tendance à pourrir. Donc, elle avait une question, c'est vrai. Juste, en fait, moi, à côté de ma serre, il y a énormément d'orties qui ont poussé. Et du coup, dans ma serre, j'ai des tomates. Je me dis, si je fais un purin d'ortie, est-ce que ce ne serait pas trop de mettre un purin d'ortie au pied de mes tomates, alors qu'il y a plein d'orties qui poussent tout autour? Mais vous pouvez arracher les orties, les déposer comme ça, hein, au pied. Les mettre comme ça, Donc l'apport d'azote. Ils ne sont pas en graines, hein, parce que s'ils sont en graines. S'ils sont en graines, ils vont couper les sommités. Ça va refaire des petites orties. Ah oui, donc il faut retenir que l'ortie amène de l'azote. Donc à un moment donné, une fois que les tomates se forment, et voilà, après la plante, elle a sa taille. Il n'a peut-être plus besoin d'ajouter l'azote, donc c'est mieux la consoudre alors.
Là aussi, on peut faucher et mettre pied. Ouais. Mais faucher et mettre par terre, partout, vous pouvez mettre. Mais okay. Enlever les graines, si possible. Sinon, tu auras des orties partout. Ouais. Et l'ortie, le mieux de tout pour s'en débarrasser, c'est tôt au printemps quand il repousse. En tirant doucement dessus, on a souvent la plupart des racines avec. Okay. Il ne faut pas saquer. Hein. Ouais. Si vous saquez, vous cassez la tige. Mais tirez lentement. Et... Ça, c'est picard, hein. Saquer dedans. Ouais. Sinon, il faut passer avec la fourche bêche en dessous et tirer tout doucement. Ok. Et... Au printemps, c'est le meilleur moment de s'en défaire. Ouais. Mais bon, allez, trop de propreté. Une ortie dans le jardin, après il faut aller chercher à gauche pour en trouver. C'est toujours bien d'avoir une touffe d'ortie là quelque part et qu'on peut. Ah oui, il faut préserver ça aussi parce que trop de propreté, ça tue la biodiversité aussi. Et l'ortie, c'est vraiment le lieu où ce que la plupart des papillons se reproduisent. Ouais. Ah ouais. Parfois vous avez les premières coccinelles là-dessus aussi. Aussi. Voilà, si il n'y a plus de questions. Moi, j'ai des questions. En tout cas, sur les plantes tomates, j'ai plein de tomates, mais elles sont toutes vertes. Et je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu impatiente, mais je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour qu'elles rougissent plus rapidement? Elle est impatiente. Il y en a qui ont essayé plein de choses, hein, mais bon, je ne vais pas tout dire. Mais... Se mettre tout nu dans le jardin. Je n'ai pas osé le dire, mais Catherine, elle a dit, mais... Non, de toute façon, il faut un certain nombre de jours entre la floraison et le mûrissement. Et alors, chaque variété, le nombre de jours est différent. C'est pour ça qu'il y a des actives et des tardives. Et la chaleur ambiante. Ça, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était prévu. Surtout, ne tirez pas les feuilles de vos tomates, sauf celles qui sont en bas et qui commencent à périr ou qui sont atteintes éventuellement à cause des éclaboussures de quelque chose comme maladie. C'est la photosynthèse qui est intéressante et qui est importante pour que le fruit mûrit. Sinon, s'il n'y a plus de feuilles, le fruit va rougir, mais il ne va pas mûrir, il va pigmenter. Et il restera avec toute l'acidité. Une plante de tomate, comme une plante de pomme de terre, comme toute cette famille-là, est toxique, sauf le fruit ou le tubercule. À condition qu'il y a eu la photosynthèse pour transformer les acides en sucre. Et c'est une fausse idée parce qu'en fait, on se dit c'est le soleil qui fait mûrir, donc on va couper les feuilles pour que les fruits soient bien exposés. C'est ça la réflexion qu'on fait. Hein. Mais en fait, non, c'est la chaleur ambiante qui fait mûrir le fruit. Donc, et en fait, les feuilles, que du contraire, on peut avoir des coups de soleil sur les fruits. Hein. Donc moi, j'ai parfois des containers, là, c'est vraiment exposé sud-ouest. Les fruits qui sont toute une après-midi, quand il y a la canicule, comme ça, on a eu des périodes là, 35, presque 40 degrés, il y a un petit calot de la tomate qui est exposée, qui est cuite. Hein. Et ça, c'est pas... Donc si vous enlevez les feuilles, c'est encore bien pire. Hein, c'est bien pire. Hein. Pendant, j'avais mis une théorie comme quoi il fallait... couper les feuilles pour que ça circule mieux, l'air circule mieux, qu'on ait moins de risques de mildiou. Déjà, si on enlève les gourmands, c'est déjà une action. Si on les plante assez large, il y a déjà l'air qui circule aussi. Donc, c'est comme Ignace dit, les feuilles qui traînent au sol peuvent porter des spores de la maladie. Donc, cela, on peut éventuellement les éliminer. Ils ne gênent en rien. Et je pense qu'une fois que la feuille est vieille, plus ancienne, elle participe moins à la nourriture, à la photosynthèse et l'élaboration de la sève. Donc, c'est plus les plus jeunes feuilles qui vont prendre le relais. Donc, tout couper, non. C'est... Moi, je laisse comme ça, les gourmands. On enlève un gourmand par support-là. Comme je suis un peu fier. Il faut surtout, si c'est dans une serre, une aération des deux côtés. Et un courant d'air. Et là, déjà, même si c'est un peu plus touffu, vous courez beaucoup moins de risques.
d'attraper le mildiou ou autre. Ouais, on a expliqué ça, et j'ai expliqué ça il y a un mois ou deux, je pense, comment faire pour éviter le mildiou. Mm-hmm. Mais bon, il ne faut pas non plus se mettre Martin en tête que le mildiou, il a à chaque coin de porte. Hein. Ben non, ouais. Déjà au-delà de 25 degrés, il n'y a plus de mildiou, il meurt. Et alors, c'est souvent entre 20 et 25 degrés, et il faut de l'humidité pendant un certain nombre d'heures d'humidité constante sur les feuilles. Donc c'est pas parce qu'il y a eu une averse que voilà qu'après on aura le mildiou, hein, non. C'est vraiment quand il pleut tout le temps et que la température est chaude, alors là vous avez le risque. Alors là, il faut peut-être intervenir, mais pas non plus voir. Faut pas mettre un masque aux plantes de tomates, quoi. Ouais, non. Ouais. Voilà, allez. Merci, c'était bien agréable.